merci. Sans toi, je me serais... Je t'en prie. Tu es légère. N'importe quoi. Splendide, oh oui. Ils ont donc passé la phase de nettoyage. Oui. Cette vermine est tenace. Vous avez laissé le troisième en vie, j'espère. Il est pris au piège. Laissez-le rejoindre les deux autres. Bien, à vos ordres. On y va. Arrête. Au revoir. Arrête. Suspect en vue. Ils sont trois. On doit les capturer. Donc on va suivre le plan E. Je t'écoute. Normalement, on devait suivre le plan A. Il consistait à aller directement au réacteur Mako à partir de la gare. Maintenant, on n'est plus en position de faire ça. Mais c'est pas grave. On avait prévu plein d'autres plans au cas où. Suivant la distance au réacteur, on a le B, C, D, etc. Ça va jusqu'où comme ça? Jusqu'à E. Comme etc. On a de la veine. On a pris la ligne du secteur 4. Elle relie le pilier principal au plateau du secteur 4. Et là, on est à côté... sur la ligne du réacteur numéro 5. On va commencer par suivre la voie en direction du réacteur. Mais attention, on ne va pas jusqu'à la gare. On va bifurquer en cours de route. Les gares des réacteurs sont trop risquées. Je suis sûr qu'elles vont grouiller de gardes Shinra dans tous les coins. C'est par là-bas. Nos camarades du secteur 5 ont marqué le chemin. On risque pas de se perdre. On y arrivera, j'en suis sûr. Mon intuition ne me trompe jamais! Oui. Nous avons déjà commencé l'opération. C'est un peu plus tôt que prévu, mais la situation est sous contrôle. Bien sûr, tout se passera comme vous l'avez ordonné, Président. Oui.
Faites-moi confiance. Merci. Excusez-moi. D'après le dernier rapport, l'analyse des données avance à un bon rythme. Cependant, les pertes sont plus importantes que prévues. Nous craignons que... Mais à quoi êtes-vous donc payé, bande d'incapables ? À vous lamenter inlassablement sur le passé ? Hein ? Il y a des pertes. Qu'est-ce que ça peut me faire ? Il faut savoir sacrifier ses pions, parfois. Si vous n'en avez plus assez, vous n'avez qu'à en faire venir autant que nécessaire du secteur 3. Ça vous fatiguerait de faire preuve d'un peu de chuchote de temps en temps ? Hein ? Compris. C'est dur de travailler avec des subordonnés incapables. Sur ce point, on peut dire que le président est très chanceux. Il peut compter sur moi pour exécuter ses ordres.